le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, pour cette capsule web, pour le spectacle Anne Lune et le grand jeu en Virofruit, on a décidé de vous faire voir l'envers du décor. Et c'est le cas de le dire parce qu'on va parler de décor. Alors tout d'abord, pour fabriquer un décor, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on s'assoit avec des gens compétents en la matière, puis on discute. On essaye de voir, on fait un remue-ménage, on jette des idées pour voir ce qui pourrait aider la mise en scène, parce que les accessoires et le décor vont évidemment servir à la mise en scène également. On travaille tous ensemble, on se jette des idées. Par la suite, on fait du ménage, on voit ce qui est trop coûteux, on l'élimine, ce qui est trop lourd, trop compliqué à transporter. On fait le ménage dans toutes nos idées et on en vient à un consensus. Alors nous, le consensus a été assez simple à faire. On a travaillé avec Martin Bellille et Patrick Saint-Pierre au niveau de la mise en scène et des accessoires. Et présentement, c'est Patrick Saint-Pierre qui travaille sur les illustrations du spectacle. Patrick Saint-Pierre, c'est un gars tout plein de talent et puis qui travaille pour le Cirque du Soleil, entre autres, et puis travaille aussi à faire des effets spéciaux, toutes sortes de choses qui ont rapport avec les arts de la scène. Alors, Patrick, présentement, est en train de faire les illustrations des personnages qui vont accompagner Anne Lune dans le spectacle. On vous permet de rentrer dans son atelier pour aller voir l'artiste à l'œuvre et en même temps, on vous offre une primeur, on vous offre la chanson de l'araignée que vous allez pouvoir entendre probablement sur l'album et dans le spectacle d'Anne Lune. On vous souhaite bonne écoute et puis bien sûr, continuez à parler de notre projet, ça va super bien, on lâche pas, on continue, on travaille fort, ouais! Bye tout le monde, bonne journée! Je ne suis pas une petite jeunesse, déjà plusieurs années me bercent. J'ai des tas de petits enfants qui, comme toi, sont très charmants. J'ai découvert ma vocation, c'était là une révélation. De mes huit pattes, j'étais habile, je pouvais tout faire avec un fil. Et puis mon nom s'est déroulé.